Ouais, il y a énormément de monde, non ? Voilà, dommage que les tribunes soient un petit peu éloignées du stade. Hein. Voilà. Belle après-midi ensoleillée. Marinade, petite marinade. Voilà. L'entrée de série de l'équipe d'Argelès, donc. Voilà, tout à fait. Ou de Sochaux. Alors, aujourd'hui, nous avons un Guéluron, un troisième, qui nous a rejoint. Il s'appelle Gérard Panchis. Vous savez, le type à la couille gauche qui se balade. Bon, tu le vois là, parce que normalement, il doit avoir des verres de bière dans les mains. Ouais, je ne sais pas où il est, mais il doit les boire. Il te répond pas ? Gérard, allô ? Gérard, tu es là ? Fais le signe, si tu es en vie. Voilà, le coup d'envoi va être donné. Voilà. Et c'est parti. Oui, à hauteur d'air. On a du mal à s'habituer un peu à ces couleurs. Hein. Fait un peu équipe roumaine, hein. Jaune. Oula, on arrive un peu de travers. Et là, c'est le priseur qui nous prend le ballon. Voilà, on fait la bordure du côté argelésien. Voilà, première pénalité. On a eu le mauvais réflexe de se laisser marcher dessus par Groyer, voilà. Voilà, et Franck Bonsé qui retrouve ses anciens coéquipiers de série. Hein. Ah oui, voilà, première en avant. Et met le Serretan à hauteur des... Ah non. Voilà. Comment il s'appelle l'arbitre de foot italien, là, le Cappellate ? Il ressemble un peu. Ah, oui. Avec les yeux exorbités. Voilà. Avec la titularisation de Roche à l'ouverture. Ah, il est là. Tu es là ? Hein ? C'est à qui le voyou ? Je vois d'où il sort. Tu l'entends bien, là ? Tu l'entends bien ? Stéphane ? Oui. Tiens. Ah, c'est pour qui ? Tu sais que... Ah, là. Non, pour toi. Allez, donc c'est parti pour cette mêlée. Introduction argelésienne. Voilà, la mêlée ne bouge pas. Ça tourne un petit peu. Allez, ballon sorti côté d'Argelès. Voilà, en deuxième position. Un rebond, deux rebonds. Attention au rebond, les gars. Voilà, c'est parti. Hop. Eh oui, mais il se prend trois joueurs argelésiens sur le rable, donc fatalement. Hop. Le petit coup de pied par-dessus, ils sont tous en jeu. Et il a récupéré la balle. Oh. Ah, dommage. Attention les gars, on se pose. Alors, qu'est-ce qu'il a dit là ? Ça y est. On a un petit arbitre de gauche qui parle. C'est Villa Sec. Alors attends. Alors on appelle les deux capitaines. Ouais, derrière. Donc à mon avis c'est nous qui allons être pénalisés puisque c'est un de nos joueurs qui est convoqué au tribunal de grande instance. Alors qu'est-ce qui se passe ? Vous avez compris, je ne veux pas de petits soucis. Ouais. Voilà, le ballon change de main, donc on avait un petit ballon d'attaque. Ah ben écoute. Ils ont choisi peut-être l'origine de. Ouais. Allez, on se recule. Alors, qui c'est qu'a le vent là ? Le vent est un peu bâtard. Avantage Argelès au niveau du vent, on dira. Il souffle en diagonale. C'est mal qui vient de la mer. Donc ça s'appelle la marée. Super. Allez. Je sens qu'on va rehausser le niveau encore aujourd'hui. Là, on le connaît. Là, c'est un touche de Ponce. Ouais. On
l'a dit une paire de fois l'année dernière, quand même. À qui va l'envoyer? Allez, fond de touche. Fond de touche, pas droite, changement de ballon. Il a pas oublié qu'il était en rouge et blanc. J'aurais pu se tromper, voir des anciens collègues et leur envoyer la balle. Quand même. Les étoilistes qui abordent de jolies étoiles sur le maillot. Ouais, c'est quand ils sont champions de France, c'est comme ça, non, les étoiles. Ah. Allez, on a le ballon récupéré par Argelès Poncé qui va au sol. Il s'est fait un peu emmener à la maison. Allez les gars, la gaite. Bien pris aux jambes. Ah, je croyais qu'il allait aller au sol, tu vois. Le ballon est conservé debout. Il va ressortir rapidement. Voilà. Ouais, voilà. Le drop à rebond qui va sortir. Un ballon mort. Je crois parce que on n'a pas voulu nous communiquer l'équipe. L'équipe d'Arcelès. Et Serré non plus, et ils nous l'ont pas dit. Ouais. C'est pour te faire travailler la mémoire. Allez, grand coup de pied de dégagement de Roach. Allez. Hop, qui a hésité, il a pas essayé de crocheter, rien du tout, il est allé tout droit. Voilà, on écarte petit côté, non. Voilà, bonne défense. Voilà, c'est bien. Ah, ça va repartir du côté avec Poncé, non, il est au sol. Le ballon est sorti. C'est long, tout ça. Et une chandelle. Oh, ouais, pour qu'un passe sol, non. Qui l'a laissé. Ouais, petit en avant, mais involontaire. Hein. Alors, ça c'est au jugement de l'arbitre, parce que hier j'ai regardé contre le Stade français. Hein. Le Stade français ne s'est pas fait pénaliser. Hein. Ils ont dit que c'était un avant involontaire. Et là. Oui. C'est un match de rugby, hein. Quand tu vois un ballon, tu le prends. C'est gros qu'on aurait. Alors, on va la tenter du côté d'Argelès. Voilà, tout à fait, à 42 mètres approximativement, quasiment dans l'axe. Bon, il a raison de la tenter au début du match. Hein. Il va le rater. Bon, alors je laisse, ils n'ont pas de pendule non plus. Hein. Non. Donc 6ème minute. Hein. Par contre, ils viennent plus petit que nous. Voilà. Là, ils ont deux sponsors dessus. Du pied gauche. Alors, c'est passé haut et c'est passé à côté. Oh, oui, voilà, récupéré par Campasol. C'est logique, c'est avec le vent. Ah, attention, ah. On joue, on a décidé de jouer. Voilà. Est-ce que vous savez ce qu'est devenu Gérard Sanchis après son opération? Sur la défense argelésienne. Fait des intentions de jeu au niveau Céritan. Il y a M. Sanchis qui veut nous parler. Et qu'est-ce qu'il a gagné après son opération? Je t'entends pas là. Tu n'as pas entendu? Vas-y, parle. C'est moi qui ai le micro et il m'entend pas et c'est moi qui l'entends. Maintenant oui, il faut que tu restes face au micro. Il faut pas qu'il te regarde en fait, qu'il te parle. Non, il faut glisser le micro dans la bouche. Ouh. Ah, il est beau. Voilà. Tout à fait. Alors Gérard, la réponse à notre technique. Ben, je vais bien après mon opération. Ben, écoutez, j'ai retrouvé mes deux couilles. Voilà quoi. Tu les as retrouvées? Ben, une que j'avais gardée et l'autre qu'on m'a donnée. Ah, et c'est un don de qui? Est-ce que tu as le nom? Jean-Christophe Menendo s'est proposé, ben, j'ai accepté quoi. C'est là, j'en ai une grosse, une petite. Voilà. Et lui, il t'a filé la petite. Un en avant, un gros en avant. Dans le jeu. Alors, donc, on peut supposer que M. Nembo n'avait plus utilité. À savoir. De toute façon, c'est un handicap et une couille. Moi, je pense que même pour l'équilibre à la rigueur, c'est mieux. C'est une des premières mêlées, non? Non, c'est la deuxième. La deuxième? Ouais. Et on a reculé la première? Non, ça a légèrement tourné, mais elle était à l'avantage introduction argelésienne. Aïe, elle était limite. Alors, on est au sol. Signal en avant dans le Ah.
les arbitres. On en dit plus souvent du mal, alors quand il y a quelque chose de bien, il faut le préciser. Ils ont dû avoir une ristourne sur la bière, alors ce n'est pas terrible. Hein. Allez, ballon écarté, côté Serritan. On a sauté le premier centre. Ringuier, hop, qui est plaqué, il va au sol, le ballon libéré par Campasol, et il a du mal à repartir. Et on l'amène au sol encore. Il faut passer par-dessus et sortir ce ballon. Sur l'impact. Ah. Lamba ? Ouais. Bon, ok. Il va faire du micro-trottoir. Et pas du trottoir, du micro-trottoir. Ne confonds donc pas. Tout à fait. Alors, les jaunes et bleus, là, de serré. Cette couleur me perturbe quand même. Hein. Oui, tout à fait, on a du mal à s'habituer. Hein. C'est un peu Roumanie-Pologne au niveau, si c'était un match international au niveau des couleurs. Ça fait bizarre, hein. Ils devaient pas leur refaire le. Ils doivent pas leur refaire les tribunaux. Ici à Angeles. Angeles, oui, ici ils montent en cours des deux. Parce qu'ils ont quand même de la place là, autour du stade. Hein. T'entends mal, non? S'il faut, ça leur suffit. Tu sais, peut-être que tous les dimanches, il n'y a pas tant de monde que ça non plus. Hein. Il y a des bras. En fait, tout dépend comment tu te mets, je t'entends bien ou pas. Et là, tu m'entends? Non. Ah, tiens, je l'ai bien. Ah ouais, bah écoute. Alors, la mêlée qui s'est stabilisée, c'est vrai qu'il fait un départ. Là, je t'entends bien, ouais. Le ballon est bien sorti. Bouge plus, Stéphane. C'est pas le fils qui va dégager. Il se dégage par-dessus. Il va chercher la touche. Ouais, il a eu un rebond souple. Hein. Alors, aux chandelles. Ça va, le soutien est là. Ouais. C'est bon, Campasol par-dessus. Hop, et qui va trouver une volée. Voilà. Donc, à noter aussi le retour de Vicente hein, à l'aide, après son léger petit KO qu'il avait subi. Le premier match contre Marseille. Oui. Il a été obligé de suivre 2 semaines de repos. Tout à fait. Henrik qui est toujours blessé. Qui est blessé pour un petit moment quand même. Oui. Avec aussi la titularisation donc, de Hervé Laporte à la place de Nembo, puisqu'il a fait don de son testicule gauche sur une Sanchez, donc le temps de la cicatrisation. T'as répondu ? Gérard Sanchez. Deux ? Ouais. Ça va bien, il y a un petit peu de chaque côté qui se. Alors est-ce que Alex rentre sa place hein? Ah, Gérard. Oui, là va la rentrée du numéro 19, le nouveau gérant de l'Almodovar. Allô ? Oui ? Tu nous entends ? Il est où là ? Tu le vois ? Je sais pas. Alors, là c'est en touche d'Angeles bien récupéré. La communication, je pense, a dû être interrompue, c'est ça ? Oui. Oui, Angeles qui se dégage. Oh, la chandelle. Voilà, ils aiment ça les chandelles, hein, ça monte. Voilà, Picaval, c'est bien. Voilà, il libère bien le ballon. C'est bien. Voilà. C'est propre. On est sous la pression là. Ah ouais. Donc, ils sont gentils, alors je laisse, mais il va falloir qu'on nettoie et il va où ? Alors il rentre dans l'axe. Hein. Voilà. Allez, il va faire le ménage. Et le petit coup de pied Roche qui avait vu. Qui a vu ? Non, c'est pas grave, l'angle est mort. Et on se dégage sous la pression. Ah ! Il trouve une belle touche. Hein. Il trouve. Le ballon a été contré par Vicente. Il a été touché, on a entendu le clac d'ici.
Donc ça veut dire que d'en bas ils ont dû l'entendre. Ouais, je pense, voire même le voir. Ah, regarde cette tenue parfaite de l'arbitre de touche. Jambes écartées, bras perpendiculaires. Fesses serrées. Bras perpendiculaires. Hop. Allez, dans sa milieu de touche, l'arbitre juge que c'est bon. Le ballon est au sol, on le voit. Attention, voilà, très bien. Ça jouera. Ouais, ils vont repartir au rang, à mon avis. Hein. Ouais, ça se jette. Hein. Voilà, à mon avis, on va retenter les 3 points hein, du côté d'Argelès. Là. Il vient donner les consignes en amenant le tir. Patrick Arlenas, longtemps annoncé cette semaine au centre de l'attaque d'Argelès. Oh, c'est de l'intox. Non, il a joué avec Arzère. Du coup, apparemment, c'est pour se remettre en jambe. Ah oui, peut-être. Et oui, ça a l'air d'aller de blesser tout ça, donc il va falloir que... trouver du monde au centre. Et... voilà, poteau rentrant. Donc, à un quart d'heure du début de match... un quart d'heure du début du match, donc 3. Sur le Cap-Plat, Ouais. 3 pour Argelès, 0 pour Serré. Voilà. 15e minute de jeu. Grâce à notre super compteur portable. Allez, ballon écarté. Allez, avec Domenech qui tape. Voilà, il s'embête pas directement. Donc voilà, allez, appliquons-nous. Allons, il fait frisquer quand même. Hein. Alors, touche raccourci côté Serétan. Et on joue en fond de touche. Ah, attention. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais il aurait pu se faire découper là sur la prise de balle. Hop, il s'est pris le ballon en même temps que la viande. Mettez-moi 3 kilos s'il vous plaît. Allez, on écarte. Allez, t'as du champ. Voilà, t'y crois. Allez, tiens. Voilà, bien, attends le soutien, impeccable. Voilà. Allez, du monde. Oui. C'est bon. Voilà. Voilà. Oui, dommage. Dommage, il a fait le gros du travail. Où il passe les bras dans l'intervalle. Dommage. Tout à fait. Belle phase de jeu du côté Serétan, on a su réagir. Voilà, il a été déséquilibré sur le tampon. L'arbitre ne voit rien parce qu'il nous donne la touche. Alors que c'est sur la phase de Hervé Laporte. Ah, maillot déchiré pour Vicens. Qui a fait un bon boulot là sur son aile. Hein. Il n'est pas tombé, il a su résister, il passait le ballon. Ouais. Un semblant de dossard. Bon, la réaction en bas, on a eu une réaction en bas. Alors, on se demande s'il porte le casque pour se réchauffer les oreilles ou pour. Il cherche une victime. Elle est qui? T'as demandé à ton ami Nembo là si cicatrisait bien. Voilà, il est là. Oui, je suis avec Jean-Christophe Nembo là. Jean-Christophe, votre opération, la cicatrisation, c'est passé bien? Difficile. Toi-même, tu as vécu la chose, donc tu sais ce que c'est. Donc, c'est difficile. Jean-Christophe, ce match sans nous, sans Saïchi, sans Henrique, c'est une équipe un peu bizarre qui se passe aujourd'hui. Que pensez-vous, Serré va s'imposer ou va subir? Moi, je pense qu'on va s'imposer. On est bien. Pour l'instant, on est bien, donc il n'y a pas de souci.
Seul bémol, c'est la non-présence de Henrik, bien sûr. Le padre, le pape. Le pape. Ça, le pape, c'est difficile, mais bon. On va en dire. Je pense qu'il y a de quoi faire. On est en 3-0 contre le Tour du Jour. On va gagner. Néné Laporte au centre, avec les cannes de feu à 36 ans, vous n'avez pas peur pour vous? Ben, c'est clair qu'au niveau des cannes, il y a pas de cannes comme ça. Moi, j'arrive même pas très loin. Vous serez, vous en avez jamais. À vous, le direct. Allez, ouais, il va bien, on a vu. Hein. On revient au jeu, avec l'entrée des remplaçants d'Argelès. Donc une touche à peu près à 42 mètres de la ligne d'un but Serétan. Arleta sur le bord de la touche avec la cloche, mec. Bravo, on t'a vu. Allez, la touche. Allez. Voilà. Allez, on va au sol. Il faut sortir ce ballon. Hop. Aïe, 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 aïe. Coup de pied contré. Ouais, ça repart. On amène au sol, on va par-dessus. Ah. On va peut-être un peu trop par-dessus apparemment. Campasol aussi qui est au sol. Ouais, Campasol qui est touché apparemment. Il va mettre le maillot, comme quoi il est au sol. Campa, il est au sol, ça c'est fort. Là, je suis passé à côté de Mickey quoi. Voilà, il s'est relevé parce qu'on sait qu'il est solide. Hein. Donc, mais l'introduction Argelès. C'est parti. Ça reste droit. Oh, on a récupéré le ballon. On a récupéré le ballon, impeccable. Allez, ça joue rapidement avec Ferré. Voilà. Voilà, on devrait, je pense. Voilà. Dès qu'ils ont 5 minutes, ils discutent entre eux. Oui, c'est important. Hein. C'est important. Donc apparemment, alignement complet. Hop, 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 hop. Et il a dévissé aussi avec la main. Je pense que je vais le prendre un petit peu en stage à la pizzeria. Ah ouais. Faut que tu l'embauches l'été hein, pour livrer. Apparemment, il a des dons. Ouais. On pourrait même dire une prédisposition pour. Ah! Attention, les gars! Allez, faut se replacer, les gars. On se replace. On va partir. Aura. Les poncés, c'était non? Il me semble. Il tient toujours l'avantage avec ses propres petits points. 24e minute de jeu. Alors, il y a une blessure d'Argelès. Il y a du côté. Marc qui est rentré sur le terrain pour donner des consignes. Et donner de l'eau. Voilà. Mais c'est très bien qu'ils puissent intervenir comme ça pendant la partie. Oui, tout à fait. Parce que du bord de touche, ils voient des trucs. Allez, introduction. Et d'ailleurs, hop, la mêlée suivante. Ça s'est relevé un petit peu au niveau des pilars. Et c'était téléphoné, ça, mais c'était bien vu. À l'avant du côté d'Arcoulès.
Ouais. Et pour un derby catalan, je trouve que l'ambiance est relativement calme. Hein, c'est pas, ça gueule pas et c'est pas enflammé. Peut-être en fin de, lorsqu'on verra un peu plus de points. Voilà, qui a pris le trou. Voilà. Oh, on a choisi petit côté. Allez, voilà. Allez, Cédric. Voilà. Aïe, aïe, aïe. C'est pas grave, il est récupéré. Voilà, tout à fait. Le ballon est bien libéré. Pas l'office qui vient faire office de demi de mêlée, non. Non, non, il venu aider. Il est venu faire une. Eh oui, monsieur l'arbitre. Allez, voilà. Voilà. C'était bien joué. Le défenseur. Il a voulu mettre les mains sur le. Tout à fait. Les joueurs se sont jetés sur lui. Il a eu de suite le réflexe de retirer les mains. Ouais. Allez, là, une pénalité. 30 mètres face au poteau. 35 mètres. Dans les cordes, là. Oui, dans les cordes, mais pas obligatoirement la plus facile. Hein. Il va en contre. Alors on remplit une poche de glaçons, qui sait qui a mal. On peut voir, c'est en prédiction peut-être. Attends Gérard. Prévision. Oui, là que je vois là, faire rentrer Jérémy Choquet, il va le mettre du poil, c'est rétang. Voilà, le ballon ne s'est. Le ballon n'est pas passé dans les barres de façon très académique, mais le principal c'est qu'il y soit passé. Hein. Et donc ça porte le score de 3-3 à la 26e minute du match, de la première mi-temps. Exaki ! Aïe 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 ! On a perdu la gonfle. Là, il va falloir que on règle le tir, il n'y a pas de protection pour le demi de mêlée. Il rentre dans l'axe. Attention. Allez les gars, vous mettez pas la faute. Voilà, oui. Bonne défense sérétane sur l'impact d'un ces regroupements où on rentre dans l'axe. On redemande le soigneur. Oui, apparemment, oui. Il est partout, il nous fiche celui-là. Ouais. Ah, on se fait on se fait prendre en sortie de mêlée. Mais on perd pas le ballon. Allez, Roche qui se dégage dans l'axe. Aïe aïe aïe. Ah oui. Allez, replacez-vous les gars, replacez-vous. Oui, Argelès qui se fait pénaliser coup sur coup là, sur des ballons, de bons ballons pour eux, mais petite faiblesse. Allez. Oui, alors que là, je vois les deux bergers, les deux caps de fou qu'ils ont, comme c'est énorme. Hein. Là, ils font peur, on avance la soirée. Ouais, mais je crois que Bard, il en a un dans le collimateur. Allez,
pas la peine d'aller chercher un fond. Ah là 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 là, les gars, attention, il s'applique. Hein. C'est dommage, on perd encore un bon ballon là. Tout à fait, mais il faut s'appliquer un petit peu plus sur ces balles. Aïe aïe aïe, il a essayé de passer dans un trou de souris. Hein. Voilà, écarter le ballon. Eric Bise. Aïe aïe. Arrache-toi, garde. Libère bien, voilà, c'est bien. C'est voilà. Ah, oh, mais non. Ah. Bah écoutez, apparemment, on n'a pas été assez rapide sur, sur cette balle de récupération. Un blessé du côté d'Argelès. Un match pour le moment équilibré, hein. Autant sur le score que sur le jeu. Une bonne touche a été trouvée du côté de l'Argelès. Alors c'est le pilier de... Oui, le pilier, oui, effectivement. C'est le copain de Marc. C'est le copain à David. Il a dû lui faire un poutou ce passage. Coucou, c'est moi. Le poutou qui pique. De la poulpe d'Argelès. Ça, putain, ça rime presque. Ouais, de la poulpe d'Argelès. Allez, voyons ce que vous nous proposez là. C'est de série qui la prend. Oh là là. Ah, ils ont perdu la balle. Hein. Je te l'avais dit. Je crois que je vais me recycler. Je vais devenir de veille. Ah, rien. Oui. Mais bon, là, c'est quand tu perds ta balle sur tes touches, c'est pas bon, quoi. Ah oui, tout à fait. Hein. Mais bon, on en a perdu une précédemment, là, aussi. Hein. Tu fais les oreilles ? Il couvre bien les oreilles. Alors, on va effectuer donc un changement, hein, côté d'Argelès. L'arbitre n'a pas vu. Allez, serré. Serré. Allez, serré à la charge. On s'est posé tranquillement. Comme pas sur le qui écarte. Allez, Hervé. On essaie de prendre le trou. Eh oui, mais ils l'ont vu. Allez, vas-y, serré. Fais le faire. Voilà, il y a du monde là. Allez, faut y aller, les gars. On a une paire de centre qui est. Qui est c'est des ponchers. Et oui, possible, il est à la photo. Enfin, je sais pas si c'est lui. C'est le plateur, hein, il sait pas. Je pensais au, plutôt au centre d'Argelès, hein, au 12 ans. Ah, changement de Pilano. Oui, il en a chié. Allez, un petit mêlé. On va voir ce que ça va donner. Ah. Voilà, Matt qui a été, il a bien poussé comme il fallait. Il y en a l'avant là. Qu'est-ce qu'il a ? Oh, mais merde, il est. Oui, on n'a pas laissé l'avant-bras, apparemment. Enfin, tout le bras plutôt. Attention, les gars. Attention. Bien, joli plaquage. Qu'est-ce qu'il va dire là ? Oh, il va le pénaliser. Je sais pas. Bon, je pense qu'on pourrait profiter du micro que nous avons sur le terrain pour écouter les propos tenus par l'arbitre lors de ce genre de phase. Allez, Gégé, file-toi jusqu'au bord du terrain. Voilà.
Dis que tu es Marc Camon, tu arrives à l'entrée, tu es Marc Camon et tu vas poser des questions. Tu vas poser des questions aux entraîneurs. J'aimerais bien avoir une analyse des entraîneurs là. Je te défie pour aller leur parler là. Ben vas-y. Tu passes partout, on va voir Arletas. Oui alors Patrick, qu'est-ce que t'en penses, ton équipe de bras cassé pas top. Hein. Allez, pénalité réussie pour Argelès à 34e minute du match, donc qui porte le score de 6 pour Argelès et 3 pour Serré. Donc la faute, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Voilà, on attend une petite réaction, même une grosse, si on pouvait du côté Serré-Temps juste avant la mi-temps, ça serait bien. Il reste 5 minutes à jouer dans le premier acte. Et pour l'instant, le jeu qui est un peu... il n'y a pas eu de... Non, c'est équilibré. Les plus belles attaques ont été faites par les arrières. Allez, on écarte le ballon du coup. Un avant monstre. Au décamètre, il faut y aller pour... impressionnant. Bon, ça arrive, hein, mais... Ben, je vois surtout à droite des sandwichs, ça a l'air bon aussi. Si on pouvait avoir un plan. Celui-là, il a pas connu. Pauvrette, hein. On doit avoir faim. Allez, c'est très bien. Allez, comme ça, tu es passé. Oh la cravate. Non, il le prend haut. Si ça, c'est pas une cravate, c'est quoi alors? On avance toujours côté Serré-Temps. Allez. Allez, Campa, vas-y, tu retournes. Encore une autre. Ouais, il essaie de le tamponner sur le côté. Hein. Non, l'ouverture, ça fait deux fois qu'il met la gorge au haut. Hein. Allez, Roche qui va se prendre de l'écart pour le drop. Et ça monte vite. Et. Oh, ça passe à côté. À mon avis, ça devrait se relever doucement parce que Campasol est encore au sol. Ah, GG, il vient de m'annoncer là, le drop de M. Roche. Là. Il vaut pas celui que tu as passé il y a 2 ans. Celui que tu as tenté il y a 2 ans. Passé ou tenté? Tenté, on va dire. Non, je l'ai tenté, mais bon, il est passé nettement, mais nettement plus à côté que ça. Donc, et Argelès qui en profite. Ça va, tu gardes le palmarès. Vous savez pas quoi faire de la balle. Alors pendant ce temps, ils ont fait un petit renvoi de raccro là. Alors, on vient sur le côté, homme. Allez, comme on sait pas quoi faire du ballon, on va péter devant. En écartant. Boum, bien, voilà. Là, c'est un beau tampon. Avec un à l'avant. Apparemment, on en avance Serré-Temps. Non, c'est un à l'avant d'Argelès. Bon. Ouais, mais non, c'est sur le placard, c'est pour tirer les filles là-bas. Là. Allez, je pense que Capelleri a donné là. On va faire rentrer notre ami. Capelleri? Tu m'as dit Capelleri? Ouais, je dis que des questions. T'as dit Capelleri? Ouais, je t'écoute. Non, c'est Todeschini, le 3 là. Ah, c'est Todeschini, voilà, j'avais oublié. Todeschini. Mais Capelleri, c'est pas l'arbitre italien, là, le Cap Plate, non? Comment il s'appelle? Hein? Mais t'es... Avec Colina, putain, oui, il a raison. Colina. Alors, on fait changement. Oui. Todeschini qui sort. Réussir à
Donc une petite mêlée à hauteur des 40 mètres argelésiens, ballon introduction Argelès. Récupéré côté Serétan. Oui. Oui. Allez, tireur, vas-y, tireur. T'as du monde. Ouais. T'as du monde. Il est accroché au maillot. Il y a une pénalité là. Oh, c'est ça, la comme. Il n'a pas les cartons. Dommage pour toi. Et normalement, il doit accorder un essai de pénalité. Il a fait son cadeau, voilà. Eh ouais, mais bon. Enfin, de toute manière, c'est simple. Il était obligé de le faire parce que sinon, t'avais un essai. Hein. Puisque Bringui prolongé au pied, il avait pris tout le monde de vitesse. Hein. C'est pas juste, il a pas fait ça gratuitement. Il préfère prendre 3 points un essai. Mais dommage, hein, que l'action soit. Il n'a pas pu aller plus loin. Tout à fait. En fait, toujours est-il que derrière, du côté Serétan, il y a de belles intentions de jeu. Hein. Oui, oui, oui. Apparemment, là, nous avons deux centres qui pénètrent bien et qui... Tout à fait. Alors, Hervé Laporte, il a quand même de l'expérience derrière lui. Il a quand même quelques années passées en top 14. Allez, parce qu'il va remettre les deux équipes à égalité. Aïe. Non. Elle passe à gauche. Voilà, on méritait sur cette action ces 3 points d'égalisation. Hein. Il suffit que à la fin du match, ça ne nous porte pas préjudice, c'est hein, ce manque de réussite pour le moment. Il récupère le ballon, Roche. Allez. Ouais, moi je pense même qu'il va peut-être siffler la mi-temps, non? Ah, on a des petits soucis à lancer, hein. Oula, même sur les passes, hein. Voilà, il faut libérer le ballon. Elle est sortie petit côté. Bien. Ouais. C'est Sankoukaï. C'est la bataille. Et c'est nous qui sommes. Ah ouais, faut arrêter le délire. Il rentre pas dans l'axe là. L'arbitre de touche, il dit rien là. Je continue là, il rentre pas dans l'axe, j'étais à côté. Allez, ça va être la fin de la première mi-temps là, normalement. Ça devait être la dernière action. Il y a un changement encore, c'était la première. Je crois qu'ils viennent d'annoncer Whiskas, c'est ça? Non? Voilà. Oh là là. Il a vraiment envie que ça parte en live, hein? Ouais, parce que jusqu'à présent, il tenait. Boum! Allez, papa! Écran! Ah là, ça se réveille un peu plus, ça. Il va falloir déplier sur la longueur. Ouais! Yes! Il était montré comme un long. Oui! Oui! Allez! Il a mis l'essai! Pénalité? Pourquoi il pénalise
là. Il a pas aplati, il a pas franchi, il s'est arrêté à 50 cm. Bonne pression de Vicence là. Ouais, ouais, tout à fait. Et voilà, on siffle la mi-temps. Mais Vicence a pris plus d'assurance dans son jeu par rapport à l'année dernière. Fin de la première mi-temps sur le score de 6 à 3 pour Argelès. Allez les gars! Ouais, tout à fait, et on dirait qu'Argelès a un peu le moral dans les chaussettes, hein. Là c'est chaud, je la vois ici, c'est possible. Ça c'est la merde pour eux. Tu m'entends là, Steph? Tu m'entends? C'est parti. Nous voici de retour pour la deuxième mi-temps qui s'annonce pas houleuse, mais plus chaude, on va dire, que la première mi-temps. Voilà, malgré un score en faveur de l'équipe d'Argelès de 6 à 3, les sensations sont plutôt du côté Serétan. Voilà, tout à fait. Apparemment, il n'y a pas de changement notable du côté de Serré. Voilà. Ah. Ah, ouais, ça y est, nous écoutons. C'est bon. Oui, là je sors des vestiaires de l'équipe première, là c'est chaud, là on va rentrer, on va c'est mettre la foudre. Hein. La alors accrochez-vous, sortez les parapluies, ça va être chaud. Tout à fait. Voilà, on déroule un petit peu à droite. Voilà, malgré un score en faveur de l'équipe d'Argelès de 6 à 3, les sensations sont plutôt du côté Serétan. Voilà, tout à fait. Apparemment, il n'y a pas de changement notable du côté de Serré. Voilà. Ah. Ah. Ah, ouais, ça y est, nous écoutons. C'est bon. Oui, là je sors des vestiaires de l'équipe première, là c'est chaud, là on va rentrer, on va c'est mettre parti, la foudre. Hein. La alors accrochez-vous, sortez les parapluies, ça va être chaud. Tout à fait. Voilà, on déroule un petit peu à droite. Hein. Allez, 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 on tient debout toujours, on tient debout, c'est bien, allez, allez les gars, allez. Ça va au sol. Ah, maintenant ça va aller mieux, non? Voilà, impeccable. Parce que j'avais pas le micro de brancher. Alors, je laisse qui a été... Depuis tout à l'heure, tu parles sans micro? Non, je crois pas. Je sais pas. Non, il parle pas sans micro, j'ai fait que l'entendre et il parle beaucoup quand même. Bah, ça va, je dis pour... On comme le tétrou, parce que bon, tu nous trouvais pas des petits interviews croquantes là. Non, mais à côté de moi là, ils sont tellement. Ils sont dans le match là que je peux pas dire grand chose quoi. Je vais les bousculer quoi. Ouais, ouais, réveille-les un peu. Allez, pénalité du côté des Serétan. Alors, la pénalité, elle est belle et elle passe entre les poteaux. Voilà, voilà. Donc, c'est très bien. Juste avant la. Juste en train de la mi-temps, on remet les pendules à l'heure, 6-6. Tout à fait à la première minute de la seconde période. Logiquement, avec le vent favorable, à mon avis, les coups de pompe ne seront plus les mêmes. On devrait utiliser ou jouer un peu plus souvent dans leur camp, comme en première mi-temps, du moins.
Alors le renvoi, hop, trille, c'est pas grave, il n'y a pas en avant, il n'y a rien. Voilà, le ballon est bien libéré, on dégage bien. Allez Roche, d'un bon coup de pied, ah, il a dévissé. C'est pas grave. Allez, lancer en touche donc pour Argelès. Ah, un pipi. Ben, c'était à la mi-temps qu'il fallait aller pisser, c'est pas maintenant que le jeu il a repris. Tiens, passe par là. Alors, j'ai pas vu du coup qui avait pris la balle. Mais on voit que c'est Argelès qui va en bénéficier au niveau de l'introduction. Oui. Ah non. Alors, Bard oui, non, fait ça. Un peu de mal à se relever, mais ça va. Il avait un joueur aussi sur lui. Ça, c'est des mêlées, des entrées franches. Ah. Allez, 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 ah. Allez, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Elle est belle. Ah. Elle est belle, celle-là. Allez, oh, Yaki. Allez, chauffe-moi. Bah, ça fait du bien, ça réveille. Voilà. Mais apparemment, Argelès n'aime pas se faire bousculer en mêlée. Hein. Non, ils n'aiment pas ça. Hein. Ça se calme pas, c'est très bien, monsieur l'arbitre est au milieu, voilà, on n'a pas baissé les bras du côté Serétan, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Argelès a reculé sur la mêlée, ils se sont relevés, donc, qu'est-ce qu'il y a? Le 4 a mis le bouffe, Serré la relève, je pense qu'il y aura pénalité contre Serré, mais on verra. Tu crois ça? Je sais pas, je suis serré, moi ces acculés, ces maritimes, quoi, mais. Ouais, mais c'est Argelès qui se relève, hein, sur la mêlée. Ben, c'est bien ce qui me semble, hein. Je sais pas, comme je vois l'arbitre de touche, il est du Roussillon, c'est pour ça que j'ai peur. Bah, ils sont pas tous comme ça. Il y en avait qu'un, il est parti, c'est Cagueras. De toute façon, dis-toi bien qu'il y a une équipe de deux, hein, c'est du Roussillon. Ouais, genre, même Bard, il est remonté comme une panne. Ouais, Bard, il est chaud, hein. Ouais. Il est chaud comme un idiot, hein. Je pense que ça va être chaud maintenant. Oui. Parce qu'il va rechercher. Ah, après, on appelle 4 rouges. Voilà. Et pas un carton. Ouais, bien. Allez. Un carton mérité, hein. Oui. Maintenant, Serré doit profiter de cet avantage de jouer à 13 contre 15. Ils ont 10 minutes hein, jusqu'au quart d'heure de jeu de la seconde période pour profiter de cet avantage numérique. Oui. Allez. Bard qui a, David Bard, il a eu une préparation psychologique hier soir avec son ancien compère. Ouais, à noter que les arbitres de touche n'ont pas changé de côté. Hein. Non, non, c'est du même côté. Parce qu'il y en a un qui est allergique au soleil. C'est pour ça, il a oublié ses lunettes noires. Le bronzage du crâne. Allez. Elle est belle. Elle est belle. Allez, il faut sortir de cette zone de 5 mètres, les gars. Voilà. C'est bien fait. On va écouler là, du côté d'Argelès. Sors pas, attention, tu vas trop loin, fais attention. Allez, allez, on se remet. On écoule. Allez, 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 allez. Allez, c'est bien, là il faut tuer le match maintenant. Il est hors jeu ce 5. Allez les gars, avancez, profitez. Allez, on y retourne, on y retourne. Allez, 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 allez. Pris, il a pris un coup de casque. Et on revient, il y a une pénalité là. Voilà, très bien. Alors c'est vrai qu'il entame la deuxième mi-temps à fond la caisse. Hein. Ouais, sous les chapeaux de roue. Il y aura alors les entraîneurs qui ont demandé surtout de ne pas la tenter. Ils vont la jouer à la main. Voilà. On leur fait mal là, sur la pression. Ouais, là. Ouais, c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Ils sont, ouais. Allez, vas-y. Bah, t'es coup, Gigi. Eh oui, exact, il joue à 13. Eh oui, il joue à 13. Hein. Ah, avec la rentrée, non, ça y est, il y a la rentrée de Poncet, donc il se retrouve à 14 pour la touche. Ben moi, j'en compte 15, là. Eh
Il y en a un qui sort là. Oui, celui qui remplaçait Ponce. Mais normalement, il devrait y en avoir deux alors de joueurs. Non, c'est bon, ils sont 14, c'est bon. Voilà, le lancer propre. Allez, on y va maintenant. Et on pousse. Et on écroule du côté d'Argelès. Il n'y a rien là. Allez, il n'y a pas d'avant, il n'y a rien. Il n'y a pas d'avant là, le ballon est parti en arrière. Non, non, c'est dommage. Ouais. Ouais, c'est pas grave, on va les bousculer là sur la mêlée. Il leur manque une seconde de ligne. Ouais, le pilon qui est encore un peu secoué là. Ouais, il a du mal. Fait tourner la montre, mais l'arbitre a arrêté le chrono. Les maritimes, ils sont malins. Si ce pilier sort, peut-être il y aura une mêlée simulée. Ils sont malins. Ah, ça. Et non, ils ont le 16 encore. Ouais, mais il est pire que l'autre. Il est la moitié mort, celui-là aussi qui arrive encore plus. Eh ben voilà. Tu vois, ils ont fait rentrer. Parce qu'à la rigueur, ça serait le jeu. Non, non, mais ils ont le 16. Oui, mais tu peux te blesser. Ouais, non, parce que si. Alors, monsieur Sanchis, petite info. S'ils enlèvent un pilier, ils sont obligés de jouer à 14. Hein. Ils enlèvent un joueur. Hein. Oui, peut-être. Tu as raison. Sinon, t'avais le ben, c'est la règle en fédéral. Hein. Non, mais je ne les connais pas, moi, les règles. Moi, tu me diras, tu joues à l'arrière. Hein. Allez, Nathan. J'essaye, quoi, de jouer à l'arrière. Ben, maintenant que t'as des petites couilles au gauche, ça va te libérer pour mieux taper, en plus. Ça va équilibrer. Il y aura plus d'obstruction. Allez, donc, là, c'est en touche. Dommage, hein, cette action, qui n'a pas pu aller plus loin. Tout à fait. Allez, on s'applique sur le lancer. Faut pas baisser les bras. Le lancer propre, c'est beau. Et c'est parti. On va faire part. Allez, voilà, t'y passé. Dommage. Il a cherché un peu à hauteur, à gauche. On a perdu la balle. On a perdu le ballon. Ça y va avec la tête, hein, sur les tampons. Hein. Ah, ouais. Il y a eu 2-3 tampons, c'est la tête en première hein, qui part. Il n'est pas mauvais, ce gars. Et c'était l'ancien. Allez, te laisse pas déborder, Picamal. Voilà, très bien, tu l'as bien stoppé. Allez, les gars, on se replace. Tu pouvais y aller, Cédric. Ouh, il va où, lui? Il est stoppé net. Hein. Plaqué, bien plaqué. Oh là là. Hop, 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 là, il s'est pas parlé, ça veut pas où aller. Et on a récupéré la balle. Voilà, très bien. Allez, Kappa. Allez, t'es pas dedans, là. Ah dommage. Il a fait une passe un peu dans les chaussettes. Hein. Dommage. Oui. Astier qui prend une bonne assurance devant aussi au niveau oui. 5 de devant. Il le faut. C'est à lui d'amener aussi un petit peu plus là avec. Déjà son expérience des espoirs de l'USAP et son gabarit. Tout à fait. Ça doit être un peu le papa de ce paquet d'avant. Ah. Là je vois Barduche qui se fait soigner. Peut-être il manquera pas beaucoup pour sortir et je vois le jeune Colombien qui se prépare. Ouais, tu crois qu'il va sortir là? Ben j'espère pas parce qu'il apporte du poids et de l'expérience quoi, mais bon, ce que je vois, allez, on est mal. Et il a des fourmis dans les jambes, dans les bras, hein. Aussi. Hein. Il reste 7 minutes. On va voir si ça peut mêler si les fourmis vont sortir. Il faudrait profiter pour scorer. Allez, voilà, la mêlée est stable, c'est bien. Voilà, de suite. Ah putain, il tombe aux jambes. Ah ouais, il a du mal à tomber, hein. Où ça plonge comme à la piscine. Hein. Hop là, il s'est fait gonfler. Ouais, on a récupéré la balle normalement, non? Non, pas encore. Allez, tape, t'as raison. Couche-toi. Bien. Il le pousse. Oui, il est du mauvais côté. Et en puis, plus. Oh, il y a rien là. Peut-être que ça vaut un petit carton ça. Normalement, il y a déjà eu un carton blanc, donc ça devrait. Jouer rapidement. Allez c'est bien, pas l'office, vas-y, t'es pas assez. Allez, Astier. Jette la balle, il y a du monde, tout le monde est là. Ah, oh, ils emmerdent ce côté d'Argelès. Allez, 3 points là. Allez, là, il faut prendre le score maintenant, il faut scorer. Il faut mettre un petit peu à on appelle.
on appelle un joueur du côté de l'Argelès. C'est une faute technique qui se, à mon avis, qui se répète. Donc il va les prévenir à la prochaine carton blanc. Oui, c'est à toi, Gigi. Oui, alors que je vois Nembo là-bas côté argelésien qui fait des abdos là, qui se prépare à rentrer. Côté argelésien. Ah oui, 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 on a vu. Comment il a changé de maillot? Nembo, ben, à la base c'est un Ibérien, comme c'est un enculé, ben, il va avec Argelès, voilà quoi, tout simplement. Pourtant ils ont mis les couleurs, hein, d'elle, hein. Aujourd'hui, là, c'est, pour... c'est peut-être pour pas qu'ils se trompent. Elle est belle et elle passe. Voilà. Un PSG qui commence à prendre le score. S'ils avaient pris l'avantage au niveau du jeu, maintenant ils commencent à le concrétiser au niveau du score. Tout à fait, à la 12e minute de la seconde mi-temps, on vient de repasser. Alors on met les pendules à l'heure à 9 à 6, donc pour. Tout à fait, il reste encore. Serré. Il reste encore 2-3 minutes sans le retour du carton jaune argelésien. On aura un petit peu mis à profit pour les mettre à mal devant. Allez, c'est bien, c'est récupéré, c'est propre. Marc a bien fait son boulot. Ouais, il est allé au charbon, au sacrifice. Il y en a écarté au ballon, Roche. Allez, le coup de pied, il est beau, il est propre. Il va toucher une belle touche. Ça, ça donne de l'air. Il a joué avec le vent. Alors qu'il va y avoir un changement, donc Allègre qui va rentrer à la place de Mac, qui a fait une très belle prestation. Oui, tout à fait. Hein. Allô, Olivier, allô, Olivier, allô. On t'écoute. Oui, Olivier Allègre, là, c'est le nouveau gérant de l'Almodovar. Il se régale. On doit être un peu ric-rac au niveau des maillots, apparemment. Ouais. Ils ont plus de maillots ou quoi, Siri? C'est-à-dire qu'ils sont au flocage, mais il paraît que le floqueur ne veut pas nous les faire. Alors, ah. Ça ne sait pas plus quoi. Hey, Gigi, explique-nous, d'où ils sortent ces maillots? Ces maillots, apparemment, Argelès, l'arbitre ne voulait pas que Serré joue avec les maillots bleu et blanc pour ne pas les confondre. Alors ils ont pris les. Ah, c'est vrai que le bleu et le rouge, c'est. Il y a le rouge et le bleu, mais bon, là il a préféré le jaune. Hein. Voilà. Ah. Ils sont pas d'Elne, mais d'Argelès, ces maillots. Ah, d'accord. Voilà. Bon, ils nous font gagner de toute façon. Oui. Et l'an dernier, ils étaient venus, ils avaient joué avec le maillot de Serré. Bon, ça les a pas empêchés, ils ont perdu quand même. Aussi, mais bon, nous, du temps qu'il y a du bleu, c'est bon. Voilà. Bon, c'était le jaune, ça faisait un peu bizarre. On dit que le jaune, c'est pour le coucou. Ouais, comptez-vous. T'as des infos, Gégé? Et alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on va faire... un couloir digne de ce nom. Oh, on la récupère en deux temps. Voilà, c'est bien. Bon. C'était peut-être pas la meilleure des solutions. Ouais, c'était pas un cadeau là. Non. Mais d'ailleurs, il y en a un qui s'est fait mal du coup. Allô Lionel? Ouais, ouais, non, non. Ah, tu étais là? Non, mais ça, c'est la peur qui commence à arriver. Alors bon. Ouais. Il doit faire voir qu'il a quelque chose. Là. Ils ont les crampes. Ah, on a un vandale. Il y a un vandale dans les tribunes. On se fait agresser, on nous tape dans la caméra. Allez ballon bien dévié. On écarte du côté d'Argelès. On met à l'intérieur. Oh! Oh! C'est bien joué, une belle attaque. Hein. Oui, il en a feinté plus d'un. Ouais. Voilà, c'est bien. Allez, Picamal. Ah. Picamal qui a bien chargé. Et on récupère la. Là, on va récupérer la balle sur l'introduction, puisque c'était un en avant de l'équipe d'Argelès. Une des rares introductions de l'équipe d'Argelès dans cette deuxième mi-temps, tout à dans fait. Le camp Serré-Temps. Oula, elle recule là, qu'est-ce qui s'est passé là? On peut lever le pied, à nouveau se remettre devant. Voilà. Allez, Roche qui se dégage. Et un bon coup de pied, et on trouve une belle touche à la hauteur des 40 mètres. Allez, 44 mètres et demi.
Et on est resté sur le côté Serétan. Oui, c'est Ferré. Sur la dernière charge qu'il a faite. Hein. Oui, je pense. Et Patrick Arletas qui continue à fumer clope sur clope comme un grand stressé. Et tire dessus. Ah. Ouais, avec l'entrée debout peut-être. Miguelito. Qui revient, ça faisait quelques matchs qu'on l'avait pas vu. C'est pas Miguelito Loveless. Il n'a pas dormi encore. Miguel est international paraguayen. Voilà, il... c'est pas fait, il devrait arriver dans 15 jours, 3 semaines. Ah, et il va pouvoir jouer alors. Et on s'est fait piquer la balle sur la touche. Ah oui, non, non. Ouf. Et là, c'était téléphoné. Ah, oui. C'est, je t'envoie l'abattoir et ce serait pareil. Hein. Voilà, très bien. Bien joué de la part de Campasol. On s'en sort bien. Mais ça aurait pour le moment, ça aurait été un échange de balles perdues en fait. Oui. Et Ferré qui tarde à se relever. Hein. Il a l'air mal en point, on dirait. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a perdu une lentille de contact? Je sais pas, mais il faudrait voir que ça. Allez, la balle a été récupérée donc par Serré, très bien. Sur le lanceur gelésien. Il va falloir qu'on la fasse sortir là. Allez, on a mis la marche en avant, c'est bien. Très allez, avec Trille qui s'est échappé. Allez, Serré qui est parti. Oui. Ah, ah oui, belle. C'est dommage, il n'y avait personne en hauteur. Ouais, il manque un. Avec David Lebarde qui s'est pris pour un centre. Où tu vas toi, Mignac? Tu vas te faire arrêter. Y a pas de touche là? Non, ils sont loin de la touche là, apparemment. Aïe. Y a du surnombre. Allez, pas l'office, t'es pas tout seul. Glisse. Y en a mal là, non? Non. Eh bien, bel essai. Ah oui, un essai de 80 mètres. Ouais. Très bel essai de la part d'Argelès. Un essai de 80 mètres, on a très bien du remplacement. Voilà, ils nous ont pris sur la. T'as droit à une entrecôte saignante. Avec Tardin, on a tardé à se replacer du côté de Serré et Argelès qui a su exploiter très bien la largeur. Et le surnombre est fatalement. Hein. Donc, très joli essai de 80 mètres. Tout à fait, mais c'est à nous de nous relever un peu plus vite, à se replacer, voilà. Il n'y aura pas ce genre de. Il faut pas dormir. Tout à fait. Eh bien, ça va relancer un peu le match. On a eu 5 minutes de flottement et voilà. Ferré qui a toujours un peu de mal à récupérer, on dirait. Vingtième minute, donc à la mi-temps de la deuxième mi-temps, Argelès vient de planter un essai. Et il la rate. Et il le transforme. Et elle passe entre les poteaux. Voilà. Ça porte le. Alors, 13 à 9. 13 à 9. Rien d'alarmant, mais il faut pas. Il reste encore 20 minutes dans cette mi-temps, donc à nous de venir de suite dans leur camp et marquer. Tout à fait. Alors ça c'est un essai qui va contre le cours du jeu quand même. Tout à fait. Mais comme quoi il n'y a jamais rien de perdu, donc il faut jouer le ballon et toujours se replacer. Hop, là en avant. Allez, l'occasion est belle là. Voilà, moi je verrais bien une petite mêlée, un petit drop. Comme ça tu reviendras à 13-12. Alors, je pense qu'il faudrait un peu jouer, parce qu'on n'a pas beaucoup joué. J'aurais bien ce programme là, tu vois, il se place sur son pied. Alors il y a Palofis qui s'est mis en position. Non, c'est une tactique ça. C'est une technique. Ça va partir à droite, mais non, ça part à gauche. Allez là, assurons la mêlée déjà. Parce que ça fait quelques fois où on se fait bousculer. Ça fait. Il y a plus avant l'introduction, non? Ferré a bien récupéré, il s'est relevé
et il s'est fait gratter la balle. Allez, là, faut qu'on se réveille. C'est bon, il a gardé. Allez, Cédric. Ah, mais il n'y a personne à hauteur. Et voilà, il est pénalisé, il garde la balle. Il va trop vite. Ah là là. Ça nous fait reculer un petit peu plus. Hein. Allez, qui c'est qui sort? Donc c'est Baruch qui sort avec la rentrée du jeune. Ah oui, qui est pas mauvais ce jeune. Hein. Non. Hey, il a cuisse qui le... Oui, barre de ma foi qui assure une belle reconversion au talon. La livraison des pizzas. Non, il a fait son match, il a fait son bon. Allez, donc comme lancé était pas droit, on recommence, mais du côté de Serré. Ah, oh, on se l'est fait piquer. Allez, c'est joué rapidement, on revient à l'intérieur. Oh, mais c'est téléphoné ça. Comment ils... Oui, c'est téléphoné mais ça passe. Allez. Oh là 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 là. Non. Ouais, dire. Il est pas. Dire. Arbitre du Roussillon, voilà. Ah là là. Ah oui, il y a deux fois sur le même côté. Oui. Et pas l'office qui s'est fait mal, hein. Bon, on va appeler Sanchez. Attends, il s'est fait mal là, apparemment. Faites rentrer Sanchez. Sanchez. Prévoit, alors, il paraît qu'en entrée, c'est Salah de composer. Après, c'est une entrecôte saignante. Pour l'instant, le menu se décide. Ouais, bon. Moi, quand je suis comme ça par terre, on me dit, oh, sushi, levanta. Là, c'est un coup dur. Là oui, on le mérite pas. Et donc, contre le cours du jeu. Oui, Argelès qui revient, qui marque deux essais. À la 24e minute. Hein, en 4 minutes, il plante deux essais. Est-ce que ce coup de massue va nous abattre ou justement nous réveiller? Tout à fait. Et il la rate. Donc ça porte le score à 13 pour Argelès et 9 à 13 à 18 à 18 à 9. 18 à 9 pour Argelès. Alors on va faire entrer du sang frais. Donc alors Capelleri qui rentre. Et Miguel Bou. Ouais. Alors sortie de Ferré. On va s'organiser comment, troisième ligne alors. Voilà. Très bien. Il est beau. Oui, mais pas l'officiété. Il n'y a rien. Il n'y a pas en avant. Et il va s'isoler tout seul. Eh oui. Et maintenant, on va gérer connerie sur connerie. Voilà, bon plaquage. Eh oui, mais 10 de plus. C'est pas grave. Il vaut mieux le stopper là, sur un ballon arrêté, que le regarder passer. Alors, qu'est-ce qu'ils vont tenter là? La pénal touche, ils tentent la pénalité. Ah
là c'est le grand trou. C'est là normalement que monsieur Gérard Sanchez doit intervenir, raconter une petite histoire qui fait rire. Qui fasse rire en ce moment. Ou une anecdote, je sais pas, bon, dans les vestiaires. Une pénalité à hauteur des 40 mètres et au couloir des 5 mètres au niveau de la touche. Alors il va la manquer ou il va la passer? On ne peut pas dire qu'il soit en très bonne position, on va voir ça. Le coup de pied est joli. Elle part bien. Elle passe pas. Et ça passe pas. C'est pas plus mal. Allez, repartons sur de bonnes bases là les gars. Bon, ça y est, le quart d'heure de flottement est passé. Alors, faudrait leur mettre une bonne séance et même une mêlée relevée, ils nous en ont relevé une. À nous maintenant. Il y a un long dégagement. Et la chandelle. Oui. Il faut du monde dessous, les gars. Allez, replacez-vous à plat. Allez, bien plaqué. Allez, de l'autre côté, là. On s'est organisé, ligne 3 quarts au niveau d'Argelès. Faut pas qu'on les regarde, hein. C'est bon. Allez. Sortez un ballon mort. On revient, donc, mêlé au coup de pied. On va en espérant qu'on va pas se faire bousculer comme on s'est fait bousculer, là, sur la dernière mêlée. Oui, GG. Du changement, là, je vois Corona et Pélissier qui vont rentrer. Par contre, je sais pas qui sort. Apparemment, la porte et Campasol. Bon. Ouais, ça va dynamiser un petit peu la ligne d'attaque. Mais les Pélissier, introduction Pélissier. On se fait encore un peu bousculer là. Hein oui. Allez, Roch, t'as bien vu, c'est bien. C'est bien. Voilà, il faut aller jouer dans leur camp maintenant. Allez, joue là rapidement, voyons. Non, on va attendre bien sûr. Allez, on est les premiers là, sur le regroupement. On s'est refait bousculer sur cette mêlée là. Voilà, encore une fois. Là je suis là et j'entends une vieille qui parle à côté de vous. Foutez-lui une tarte, elle me gave. Allez les gars dans l'axe, faut mettre le cap là. Hop, le coup de pied et ça sort pas. Aïe 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 aïe. Merde alors. On n'y a pas cru, c'est dommage. Allez les gars, on baisse pas les bras. Hein. Ouh, que ce deuxième essai a fait mal. Et on coupe un peu les pattes. Hein. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Allez à la Gaïtan. Oh. Bien. Ah là là, ouais, ouais. Coupé hein. Oh là là, il faut s'étaler les gars. Attention, pas trop, hein. Laissez pas d'eau. Allez, se mêler, faut se camper là. Sur les jambes et pas reculer. Hein. C'est la valse des piliers, ça rentre, ça sort, ça sort, ça rentre. Et donc on refait rentrer le 17.
Il y a vraiment pénurie de maillots. Hein. Ouais, autant du côté d'Argelès que de Serré. Ça a stabilisé un peu la mêlée là. Ah, il y avait Palofis qui a mis un peu de jus. Oui. Oh, on perd la balle. Et oui, on a perdu ce ballon. Dans laquelle c'est faute de main. Ben oui, non. Alors, Fontana, pour son retour sur son ancien terrain, qui remplace Roach. Oui, en espérant que ça perturbe un petit peu les Argelésiens. Eh, qu'est-ce qu'il y a là ? Oh non ! Apparemment, on va la tenter. Ouais, on s'assassine, on s'assassine. Il a pendu le tour en attendant. On a bien débuté cette seconde demi-temps par ce. Oui, on a pris un essai, ça a coupé une jambe. Voilà. Le deuxième essai, il a tué l'autre. Voilà, il a coupé la deuxième jambe. Et là, on subit, on regarde. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va le rater. Le vent s'est calmé. Oh. Deux fois. Deux fois. Deux poteaux rentrants. Donc, il porte le score à 21 pour Argelès et 9 pour Serré à la 34e minute de la seconde période. Allez, essayer d'aller marquer là, hein. Il faut de suite revenir, hein, pour pas. Allez, le coup de pied haut, long. Allez, on joue rapidement du côté de Serré avec Pélissé. Qui essaie de remettre un peu de Niak. Allez, à nous à batailler pour aller le récupérer ce ballon. Ouais. Et pas droite. Oui, mais dans notre camp, donc je crois qu'il dira rien. Allez, on écarte du côté d'Argelès. Oh, des passes de la mort. Eh, celui-là en plus, hein. Ah, quand même. Ouais, bon retour. Allez, les gars, on se replace, on traîne pas. Allez, 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 allez. Allez, joue pas la montre, on va. Il a vu le trou. Allez, faut monter les gars. On se remet dans l'axe. Et on cherche la touche. Bien vu. Non, elle est pas sortie. Elle est pas sortie. Allez, zoom. Et il a trouvé. Au-delà des 22. Très bien. Belle touche. Voilà, bon. Je pense que tout le monde croit que le score est acquis, à mon avis. Et en... Ouais, ça sent la poudre. Reste 4-5 minutes à la montre. Il y a 12 points à reprendre. Si jamais, hein, en fait, ouais, ça marquait à 4 minutes. Hein. C'est pas droit. Ah.
couche-toi. Qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre? Ah, il a pénalisé Argelès. Eh bien, heureusement, hein. Et pourquoi il les a pénalisés? Mêlée écroulée, non. Mais je crois que l'arbitre ne sait même pas lui. Il faut se baisser, les gars. Allez. Oula. Non, il s'est appuyé pour rebondir. C'était pas dans le bon sens. Allez. Faut qu'il retrouve du niac là. Faut avoir un peu plus de profondeur peut-être pour pouvoir pénétrer. Ouais, il y a un avantage en cours. Allez, voilà, on joue. Allez du monde. Et là, il n'y a rien là. Allez, bien. Allez, jouez les gars. Allez. Allez, du monde, il faut du monde. Ah, on se fait arracher la balle, c'est pas vrai, ça, merde. Il va l'avoir. Ah, l'arbitre. Allez, il faut du monde en soutien. Récupérez ce ballon, les gars. Il reste debout, ça va. Hey, il a un maillot trou là, hein. Il n'y a plus personne pour attaquer. Il n'y a plus personne. Qu'est-ce que tu veux faire de toute façon? Bah, tu refais péter les gros devant. Ah, Isens s'est fait contrer. On a du mal à se replacer. Hein. Ouais, mais faut les user comme ça. Hein. Après, on verra bien. Allez, au revoir. Ouais, le 3 là, qu'est-ce qu'il fait là comme ça? Ça veut plus quoi faire hein, ou quoi? Allez, pas l'office. Voilà, c'est bien. Tu as du soutien. Libère bien ta balle, Vicence. Allez. Ah, il va trop droit, il faut qu'il se baisse. Hein. Ouais. Ah, c'est arrêté, c'est dommage. La fatigue commence à venir, hein, on dirait. Oui, la phase de jeu est assez longue. Hein. Ouais. Allez, repartez donc. Faut se placer, où sont les centres? Non, il a bien vu. Ah oui, il a bien fait hein, de ne pas la donner, tout parce que sinon l'autre il partait à l'abattoir. Hein. Il nous manque un ailier de notre côté. Aitria qui se met en position d'ouverture, qui avance, c'est bien. On libère bien la balle, c'est les trois quarts qui font le boulot des avants. Et on s'est fait voler la balle. Ah, on la récupère. On a du cul là. Ouh, cette séance elle a dû faire mal hein, parce que on en est à 40 minutes de jeu hein, donc il doit rester que. C'est la fin du temps réglementaire, il reste 2 minutes, apparemment l'arbitre de touche a dit 2 minutes. Oui, à moins de faire de marquer un essai et de faire pêche moins de 2, on peut pas revenir au score. Hein. Ou un drop de 20 points. Un drop de 20 points, c'est à quel endroit du terrain? Oh là, on est bien. Ouais. C'est dommage parce que je pensais pas que ça se termine. Ah oui, là on va pouvoir se bouffer les ondes là. Là, je l'ai donné au monsieur là avec qui il filme. Alors ça devrait être une des dernières mêlées du match. Oui, sûrement. Alors sur cette mêlée, hop, il faut libérer vite le ballon. Il se fait goinfrer de suite en fond de la nage. Oui, c'est bien, il a récupéré. Allez. Trio, bon récupérateur de ballon. Allez, t'as du soutien. Faut rester debout, les gars. Oh. Eh oui, il faut rester debout. T'es obligé. Alors du côté d'Argelès, eh ben, on va la tenter. Oui, c'est vrai. Et je pense que l'arbitre devrait siffler la fin du match à ce niveau-là.
Non, ils vont jouer la touche. Et ils jouent la touche. Ils veulent faire un gros score. Bon, mais le score ne reflètera pas du tout la partie du Céré Sportif. Non, tout à fait, c'est une partie, on peut dire, équilibrée. Et bon, deux essais sur... un peut-être sur un placement et une faute de placement. Et le deuxième, ne pas se téléphoner, mais qui aboutit. Aïe. Allez, fin du match, non? Oh, siffleur, fin, couillon. Il va les faire remarquer. Il attend. Donc, ben voilà. Putain, match qu'on doit jamais perdre. Stéphane, Lionel? Oui. Oui, là devant le couloir, vous avez vu Hervé Laporte? Regarde. Ouais. La star. Il s'est fait interviewer. Par nos concurrents. Et ça passe, et c'est la fin du match. Voilà, sur le score de 24 à 9 pour Argelès. Donc maintenant, la balle est dans le camp de Céré pour gagner à la maison. Oui. Le prochain derby, mais bon, on avait de quoi faire quelque chose. Pas de gagner énormément de points, mais à mon avis, les deux équipes se valent. Ouais. Et bien sur ces belles images. Voilà, à vous, Boulogne. Prochain match. GG. Toi la parole. Lionel. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Oh putain, il m'a tenu chaud.